Ça m'embête un peu, ça. Mais pourquoi? Si le bouquin est mauvais, pourquoi j'ai racheté les droits? Monsieur Pignon. Oui? Vous n'êtes pas producteur. Hein? Vous n'êtes pas belge non plus. Non? Ça n'est donc pas pour acheter les droits du livre que vous lui téléphonez, mais pour essayer de savoir où est ma femme. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Que pensez-vous de l'accroissement des inégalités dans les pays développés? Ouh, ça c'est un sujet complexe. Enfin, si on en croit certains économistes, au-delà de la croissance économique. Seul un impôt progressif sur le patrimoine permettrait de freiner le phénomène. Vous n'êtes pas d'accord? À vrai dire, je voyais pas vraiment les choses comme ça. Bon. Excusez-moi. Qui vous permet? Il me semble que vous êtes réunis aujourd'hui pour parler de quelque chose qui me concerne plus que quiconque. Je crois que j'ai mon mot à dire. Dites ce que vous avez à dire, mademoiselle. Il ne respecte rien ni personne, et encore moins toute forme d'institution. Peu importe qu'il ait fait preuve à mon égard d'une intelligence et d'une générosité que j'étais loin de soupçonner dans le corps enseignant. Alors à bas la bête immonde. Clouons-le au pilori pour mieux laisser les étudiants danser sur ses braises encore fumantes. Mais grâce à son apprentissage, je connais ma destinée. Rien pour prouver votre identité? Non. Vous préférez qu'on procède à une fouille? Dis aux autres de venir. Je voulais juste aller voir ma copine. Vous voyagez en règle, monsieur, c'est tout? S'il vous plaît. Sinon, t'as rien sur toi? Pas de stupéfiants, pas de couteau, rien? Non. Comment? Non. Très bien, on va vérifier tout ça. Je serai en quelque sorte un peu votre Macron. Non. Mais de gauche, bien sûr. D'accord. Bravo, camarade. Bravo, bravo, camarade. Il a déjà son liqueur. Il est là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe avec mon fils, là? Ouais, votre fils, il a foutu le feu. Mais il a foutu le feu, il faut arrêter les conneries, non? Vous délirez ou quoi? Non, c'est vous qui délirez, monsieur. Et regardez ce qu'il est en train de faire, votre fils, là. Mon fils, il n'est pas responsable. C'est vous qui êtes responsable. Regardez ce que votre fils, il a fait, là. Non, je ne veux pas entendre parler de ça. Il n'a pas arrêté de m'appeler. Vous êtes sérieux ou quoi? Vous n'avez pas arrêté de lui manquer de respect? Ça veut dire quoi? Je vous ai amené mon fils pour vous occuper de lui? Parce que vous croyez. Sérieux, toi? Arrêtez, là. Oh, stop, hein. Regarde ton fils. Monsieur, écoutez-moi. Vous avez manqué. Stop, sérieux de quoi, toi? Oui, je suis sérieux. Vous avez manqué une occasion inespérée de booster votre carrière de restaurateur. Non, mais tu rigoles, parce que je ne présenterai jamais. Et il y a une occasion que vous n'avez pas manqué, c'est de passer sur C8 pour une émission de caméra cachée. Tout le monde est complice, on l'applaudit. C'est une émission de caméra cachée. Il est où le formateur, là? Monsieur Johnny, c'est ça? Bonjour. C'est vous, monsieur Johnny? John. Oui. Alors qu'est-ce qui se passe avec mon fils, là? Qu'est-ce qu'il fait pour prendre une douche? Monsieur John m'a insulté à plusieurs reprises. Moi, je t'ai insulté, moi? Il m'a insulté. Oui, je l'avais insulté. Et en plus, vous m'avez fait faire les tâches les plus ingrates. Les ingrates. Vous prenez mon fils, je vais faire un. Attention, parce que là, ça va partir en stage. Pourquoi vous l'avez sorti du bain? Parce qu'ici, il ne prend pas de douche. Il n'a pas à prendre un bain chez le patron. Mais pourquoi? Parce que s'il fait des tâches ingrates, il faut bien qu'il se lave un peu, non? Je ne prenne pas de douche. Moi, si je veux, votre boutique, enfin votre boulangerie, hop, un claquement de doigts comme ça, terminé, fermé. Merci, papa. Voilà. Alors maintenant, là, je connais aussi d'autres gens. Est-ce que déjà, vous avez quelque chose à dire? Vous savez qui je suis? Vous savez qui il est? Vous savez qui il est? Est-ce que vous savez qui je suis? Il est comédien. Comédien. Parce que moi aussi, et que tout ça c'était une caméra cachée, on applaudit.